Absent de l'antenne depuis qu'il avait pris la décision de quitter l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue, qui est désormais présentée par Raphaël de Casabianca, Frédéric Lopez a effectué son grand retour sur France 2 dimanche 23 octobre 2022. Ce jour-là, l'animateur a lancé sa toute nouvelle émission, baptisée Un dimanche à la campagne, à partir de 16h55. Ce nouveau programme dominical reprend en grande partie le concept d'une de ses anciennes émissions, La Parenthèse Inattendue, qui fut diffusée quotidiennement en début d'après-midi sur France 2 par le passé. Une rencontre à la fois détonnante et pleine d'émotions entre trois générations et trois univers bien différents. Quelque part loin du tumulte, avec Frédéric Lopez, ils se sont retrouvés le temps d'un week-end. Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d'amour, d'amitié, de la vie. Dans une maison ouverte à l'inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fou rire, chacun dévoile le fil invisible de son histoire pour un dimanche à la campagne qui ne ressemble à aucun autre, a indiqué France 2 dans un communiqué. Le prochain numéro inédit du programme sera diffusé dimanche 1er janvier 2023, à partir de 16h55 sur la chaîne publique. Un dimanche à la campagne, trois invités autour de Frédéric Lopez sur France 2 après avoir accueilli les comédiennes Charlotte de Turckheim et Barbara Schulz, ainsi que les rappeurs Big Flo et Oli lors du tout premier numéro de l'émission Un dimanche à la campagne. Frédéric Lopez avait convié les actrices Michel Bernier et Sophia Essaidi, ainsi que le magicien Fabien Olicard lors de la deuxième édition diffusée dimanche 6 novembre 2022 sur France 2. À l'occasion du 8e numéro du programme, l'animateur accueillera la chanteuse et humoriste Camille Lelouch, révélée au grand public suite à son passage dans The Voice, l'ancien champion de natation Camille Lacour, et enfin Yvan Cassard.